disant « Tel Swann tombé fou amoureux d'une femme qui n'était pas son genre, j'ai fini par m'enticher d'une maison qui était à l'opposé de ce que je cherchais et dont au début j'ai même eu un peu honte. » Mystère de l'amour. Le deuxième chapitre s'intitule « Prendre soin, la maison » et il est placé sous l'égide de Pierre Loti. Pierre Loti qui a écrit cette phrase impérissable « Il n'y a d'urgence que de vent. » Poser sa brosse à dents. Vous verrez, elle est impeccable. Vous n'aurez qu'à poser votre brosse à dents, a assuré l'agent immobilier, sans doute pour justifier un prix relativement élevé, car cette moche maison n'est même pas une bonne affaire financière. En effet, le toit a été refait récemment, l'électricité mise aux normes, l'isolation assurée grâce au remplacement des fenêtres, hélas, par du PVC, les volets repeints, hélas, en vermillon et blanc cuivré. Mais c'est à l'usage qu'on découvre peu à peu les multiples aménagements indispensables au maintien d'une maison en l'état, indépendamment même des travaux de décoration. Créer une aération dans les salles de bain et le cellier où la moisissure s'installe, le PVC m'assure une amie architecte est un poison pour les maisons qu'on n'habite pas en permanence, faire remplacer les chenaux en plastique explosés par le gel du premier hiver par des chenaux en zinc, etc., etc. J'apprends ainsi qu'une maison est comme un corps vivant dont il faut continuellement, et toujours plus à mesure des années, surveiller et réparer les problèmes structurels, petits ou grands, afin qu'on puisse l'utiliser sans avoir à y penser. Ne plus y penser. Y parviendrai-je un jour? Habiter, être habité. Être habité, cela se dit et s'éprouve pour l'inspiration, la création, l'écriture. Non pas l'actif, habité, mais le passif, être habité, prélude et compagnon de toute création lorsqu'on devient soi-même la maison de l'œuvre à venir. Ainsi, j'habite la maison en même temps que j'en suis habité, comme on est habité par l'œuvre qui se fait, cette œuvre qui est devenue pour moi la maison. La maison est ce dont il faut prendre soin comme d'un enfant, remplir la cuve à fioul, faire ramener le poêle, nettoyer les chenaux, purger les radiateurs, faire replacer une ardoise emportée par la tempête. Mais les contreparties de ces soucis en termes de bonheur sont bien là, les gens qui ont des enfants doivent comprendre. Cependant, la maison est aussi comme un parent qui prend soin de vous, toujours là pour vous abriter, vous protéger. Prendre soin, transitivité du care, où se superposent le sujet et l'objet du soin, de la sollicitude. La maison prend soin de moi comme je prends soin d'elle. Au centre du monde, assise avec un livre, un après-midi de printemps, Thank you.